Tac. Est-ce que là ça marche mieux? Ah oui, ça y est. Voilà, on va arrêter de faire tout résonner. Bonjour à tous. Alors je vais essayer juste un petit truc. Ok, je pense que je suis pas trop mal cadrée, ça va. Hop, donc on éteint ça. Donc bonjour à tous, bonsoir à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de stream et j'ai essayé et je vais essayer aujourd'hui de reprendre un petit peu mes streams de jeux de société. J'ai installé un nouveau setup, on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si c'est flou ou pas au niveau du plateau, etc. Donc j'espère que ça passe, j'espère que c'est bien. Donc aujourd'hui on va jouer en solo à It's a Wonderful Kingdom. Voilà, donc on va faire au moins une partie, peut-être deux. Donc, est-ce qu'on voit... Non, ça on le voit pas par contre, il faut que je le rapproche comme ça. Voilà. Donc, hop, je vais même enlever ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc, moi je joue un duché, le duché bleu. C'est sur le même principe que It's a Wonderful World, sauf que là c'est dans une époque un peu plus médiévale. Alors je vous avoue, comme je ne vois pas trop les cartes, le nom des cartes en fait c'est des lieux un petit peu genre l'île des dragons, une caverne, etc., etc. Moi je vous avoue que bon, c'est pas trop ce qui m'intéresse en soi, moi c'est plus la façon dont fonctionne le jeu. Et je vais vous montrer un petit peu comment on joue. Et comment moi je gère un petit peu le fait de pas bien voir les cartes et pouvoir quand même jouer à ce jeu. Donc comme j'ai expliqué, moi en soi, par les illustrations, ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse c'est vraiment ce qu'on peut trouver sur les cartes pour pouvoir jouer. Le jeu va se jouer en 4 manches qui vont se découper en différentes étapes. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir un maximum de points. Alors quand on joue en solo, en fonction du nombre de points qu'on obtient à la fin, on a un niveau plus ou moins acceptable. Faut savoir que c'est un jeu assez compliqué, donc c'est assez difficile d'avoir des points. Moi j'ai énormément joué à It's a Wonderful World. C'est un jeu que j'aime énormément. J'aime beaucoup It's a Wonderful Kingdom, mais j'y ai beaucoup moins joué, donc au niveau des points. On va voir ce que ça donne cette fois-ci. Donc on voit ici qu'on a des petits cubes qui vont représenter en fait des éléments qui vont permettre en fait de construire on va dire notre kingdom, notre royaume. Là encore une fois, je vous avoue que je ne connais pas dans It's a Wonderful World, je connaissais un petit peu plus ce que représentaient en fait les cubes. Là je sais plus exactement, je crois que ça c'est vraiment genre la pierre en fait pour construire des immeubles. Ça je crois que c'est la population, ça je crois que c'est l'or, et ça je sais plus ce que c'est la découverte ou quelque chose comme ça, la navigation. Et ça donc c'est des cristalliums, donc comme dans It's a Wonderful World, ce sont des un petit peu des jokers. Donc pour commencer, on va commencer donc la première manche. On voit d'un côté et de l'autre, ouais, on voit bien, c'est bon, ok, qu'on a deux cartes de chaque côté. Donc la première étape pour cette première partie de cette première manche, je vais devoir choisir un des deux paquets. Donc je vous avoue, j'étais quand même un petit peu regardée avant de commencer, au moins ces quatre cartes-là pour ne pas trop les récupérer à chaque fois dans mes mains. Donc je sais à peu près que je vais prendre ce paquet-là. Donc je prends ces deux cartes-là et je les mets devant moi. Du coup, j'en mets deux nouvelles à la place. Et hop, par contre, je vais mettre une carte face cachée de ce côté-là, du côté des cartes que je n'ai pas sélectionnées. Cette carte cachée, il y a 4, on va dire malédictions, enfin 4 cartes négatives dans un paquet de 12 et 8 cartes, comme peuvent être celles qu'on voit qui sont visibles. Donc c'est un petit peu maintenant en fait à ce nouveau tour, c'est soit je prends ce paquet là où je vois les cartes, soit je prends ce paquet là où il y a potentiellement cette carte là qui est face cachée. Après moi j'ai deux jetons, dont un que je peux utiliser en fait à chaque manche où je vais pouvoir retourner une carte
pour pouvoir regarder ce que c'est, pour potentiellement me dire est-ce que je prends le paquet ou pas. Donc là, je vais me permettre de regarder un petit peu de plus près ce que je peux récupérer ici. Ok, ça me permet d'avoir quand même des soldats. Hop. Et ça me permettrait de produire quand même du blanc et du jaune. D'accord. Bah pour l'instant, écoutez, je vais prendre ce paquet-là. Tac. Donc, je mets une deuxième carte face cachée ici. Et je rajoute deux nouvelles cartes ici. Donc là, je vais me permettre de regarder ce que je viens de poser. Donc là, on multiplie les cartes violettes et là, on multiplie les cartes jaunes. Ah oui, pardon, mais on ne produit rien du coup. On ne produit rien avec ça. Alors, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Ça, c'est quand même intéressant pour moi. Ça, c'est pas mal aussi. Mais là, vu qu'il y a deux cartes, on va en retourner une. Je vais retourner bah, celle-ci pour voir ce que c'est. Ah, c'est encore une carte bleue. Et c'est pour produire du jaune en plus. Donc je vais prendre ces cartes-là. Donc la carte qui est face cachée, pour l'instant elle reste face cachée. Tac. J'en rajoute une ici. Et deux dernières cartes pour cette manche que je vais rajouter sur le côté. Encore du bleu et encore du bleu. Ah là là, mais ça c'est bien ça. Ça c'est plutôt bien. Moi je vous avoue que j'essaie de me spécialiser justement dans le bleu. Donc on va prendre ça. Donc fin de la première manche. Donc ça, hop. Je ne révèle pas hein, la carte qui était face cachée et je défausse tout ça. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va passer à la deuxième étape de la manche. Donc là, hop, je vais pouvoir révéler cette carte-là. Ah bah c'était pas une malédiction en plus, donc c'est impeccable, ça me permet de récupérer du bleu. Donc là, je vais pouvoir faire le tri entre ce que je veux essayer de construire et ce que je veux défausser pour récupérer des petits cubes. Donc déjà ça, je vais vouloir essayer de le construire. Et ça me permettra en plus de produire du bleu. Donc ça c'est très bien, mais ça va mettre un peu de temps, je pense, à se construire. Ça aussi, je veux le construire. Donc ça c'est pour récupérer, donc c'est ça, ok. Ça, je vais aussi vouloir le construire. Est-ce qu'on voit ce que je fais? Non, en bas là, c'est pas visible. Ok. Donc ça aussi, pardon. Donc je vais décaler ça comme ça. Donc ça aussi, je veux le construire. Mais c'est pas prioritaire. C'est juste pour avoir des points à la fin. Alors que ces deux cartes-là sont beaucoup plus importantes. Parce qu'elles me permettent de produire en fait des choses. Là c'est pareil, cette carte-là, je veux la construire. Tac, ça non. Ça oui, je voudrais bien le construire aussi. Ça oui, ça oui. Ouf. Bon, comment je peux faire? Parce que tout ne va pas rentrer dans l'espace. Ok, bon, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Non, je vais juste me réorganiser un petit peu. Ça comme ça, ça comme ça. Voilà, parce qu'en fait, ces cartes-là vont rester plus longtemps parce que j'ai pas spécialement envie de les construire tout de suite. C'est plus ces cartes-là que j'ai envie de construire assez rapidement. Donc là, je vais pouvoir défausser. Ah ouais, mais là, c'est pas terrible. J'ai pas de violet par exemple. J'ai rien en violet. Il y a du violet là ou pas? Non, là il faut un soldat en plus, d'accord. Et là il faut juste trois gris. Bon, d'accord. Bon, j'ai rien du tout en violet. Ouais. Cette carte-là va pas me servir à grand-chose. Donc là, je vais par exemple défausser cette carte-là pour avoir deux bleus. Deux bleus que je vais mettre, par exemple. Que je vais mettre par exemple, est-ce que je récupère avoir un soldat quelque part? Non. Donc je vais pas les mettre là. Je vais mettre ça ici. Pour l'instant. Ensuite, là je vais défausser pour avoir deux gris. Deux gris que je vais mettre bah, au seul moment où il y a des gris, c'est là. Et ça, deux violets. J'ai pas de carte avec du violet, donc ça va aller sur mon duché ici. Et dès que j'ai 5 cubes différents, je pourrai avoir un cristallium, donc un cube rouge. Donc là, c'est tout pour l'instant. Donc, je vais produire. Donc, on commence par ici, les gris. Donc, moi, je produis 3 gris. Donc, il y a un troisième gris qui va sur cette carte. Et donc, je mets ça ici. Et les deux gris supplémentaires, parce que j'en produirai
produisais 3, je vais les mettre là. Donc ça m'en fait déjà 4 ici. Ensuite, on passe au violet. Est-ce que je fais du violet? Pas du tout. Pas du tout. Donc il se passe rien. Est-ce que je fais du jaune? Je ne fais pas. Oui, si, je fais un jaune. Je fais un jaune. Donc on va mettre un jaune. Du coup, ici. Et est-ce que je fais du bleu? Bah je fais oui, un bleu. Il était caché ici. Ça me permet de finir cette carte là. Toc. Hop. Que je vais mettre aussi. Du coup ici. Je vais pousser mes cartes qui sont là. Parce que sinon ça va me gêner. Ok. Donc je pense que vous voyez encore bien mes cartes. Voilà, voilà. Et du coup, on passe à la deuxième manche. Donc là, je peux retourner un jeton. Et on recommence. Donc, on va mettre deux cartes à gauche, deux cartes à droite. Donc, je vais regarder ce qu'on a ici. Donc là, c'est pour produire du bleu, ça c'est bien ça. Et du blanc. C'est pas mal, ça c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on les voit les cartes là où je les ai mises? Pas très bien. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je risque de les prendre. Et là, c'est encore du bleu et du bleu. Mais tant que je fais pas trop de bleu, ces cartes là me servent pas à grand chose. Donc je vais prendre ces cartes là. Donc je les mets devant moi. Vous les voyez pas, je crois. C'est pas grave. Je rajoute une carte ici. Et je rajoute deux de l'autre côté. Donc je vais les regarder. Alors, c'est pour produire du bleu et du blanc. Et là, c'est pour multiplier les cartes violettes. Ça ne me sert pas à grand chose, mais ça me donnera un jaune. Je vais prendre ça, je pense. Ok. Donc, on rajoute encore une carte ici, parce que je n'ai pas pris. Hop, j'en rajoute deux nouvelles. Donc là, en fait, c'est pour un multiplicateur de bleu. Et produire du blanc, enfin du gris et du violet, ça me va très très bien, donc je reprends ça. Hop, troisième ici. J'en rajoute encore deux ici. Et c'est pour avoir quatre jaunes. Alors là par contre, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Je suis pas sûre. Je regarde, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir du jaune? Il faut deux jaunes. Non, j'ai pas besoin de jaune en fait. Donc, est-ce que je me prendrai pas ce truc-là? Je pense que je vais prendre ce paquet-là. Tac. Donc, je prends ça. Tac. Et je retourne les trois cartes qui sont là. Et j'ai... Voilà. Bah, je vous montre. Hein. J'ai une... Ah, pardon. J'ai une carte négative qui me mettra moins 4 points à la fin. Donc, pour ça, je vais la mettre de côté. Et après là je récupère des trucs ici. Ah c'est bien. Alors là on recommence. On trie entre ce qu'on veut garder pour produire et ce qu'on veut défausser. Alors. Moi déjà j'aimerais produire du bleu. Donc ça je vais le garder. Alors je produis combien de gris? Je fais 4 gris. Donc là il y en a deux. Donc est-ce que j'ai un autre truc à deux? Ouais j'ai ça. Là j'ai ça aussi. Ah j'ai ça aussi. Ouais on va pas pouvoir tout faire. Ah mais là je coupe. Je produis déjà du bleu comme ça, du bleu. Là je produirais aussi du bleu si je pouvais faire ça. Donc ça ferait 3, 3, 3, 4. Ouais, il faudrait produire encore un peu plus de bleu. Donc déjà, ces deux-là très clairement. On va les rajouter. Vous allez peut-être pas pouvoir les voir, mais je peux pas tout afficher. Vous les voyez peut-être un tout petit peu. Ensuite. Est-ce que je peux dire pas de produire
Ouais, mais je produis pas beaucoup de violet. C'est bien ça le problème. Du jaune. Pourquoi j'ai envie de produire du jaune exactement? Du jaune. Non, ça m'intéresse pas. Bon, déjà, on va défausser celle-ci. Pardon. Oui, on va défausser celle-ci. D'ailleurs, ces deux-là, je peux aussi les défausser. Pour récupérer un jaune que je vais mettre directement ici. Ensuite. Ça, j'aimerais bien le produire quand même. Tac, tac. Ouais, ça, on va le mettre là. On va mettre ça comme ça. D'accord. Ensuite. J'ai deux autres jaunes. Est-ce que les autres jaunes vont me servir à quelque chose? Non. Est-ce que j'ai quand même une carte où je pourrais mettre du jaune? Non. Bon. Ça me rapporterait quand même quelques points. Bon, celle-là, on va la mettre aussi comme ça. De toute façon, ça sert à rien. Je vais défausser une carte jaune ici. Et avec ces quatre qui sont là. Ces quatre qui sont là. Ça me fait 5. Et du coup, je prends un cristallium. Que je me garde de côté, hop, que je mettrai un peu plus tard si j'en ai besoin. Ensuite, j'ai potentiellement gris, bleu, violet. Alors, le violet, je pense qu'on va le défausser. Celui-ci, on va le défausser finalement pour mettre un violet ici. Voilà. Ensuite, bah, le bleu. Oh, ça me fait défaut. C'est un truc qui permet de produire deux bleus, mais je produis pas assez de violet, je pense. Ouais, donc on va défausser cette carte-là pour gagner un bleu. Un bleu que je vais mettre, du coup, bien évidemment, ici. Et là, j'ai un gris. Un gris. Faut que je prépare parfois d'après aussi, quand même. Que je vais mettre là, que je ferai la prochaine fois, je pense. Donc vous allez sûrement pas le voir, mais c'est pas grave. Du coup, on recommence. Je produis combien de gris? Il y en a 5. Donc normalement, si j'ai bien compté, 2 ici et 3 ici, ça fait 5. Comme ça, je peux le mettre là. Du coup, je produis ça et ça, et là, on voit que je gagne un soldat. Un soldat, c'est ça. Et donc les soldats, ça permet d'acheter certaines cartes, etc. Donc je rajoute ça ici. Et le soldat, il en avait besoin ici. Ok. Ensuite, est-ce que je produis du violet? Non. Il ne me semble pas. Ok. Ensuite, est-ce que je produis du jaune? Jaune, j'en fais 1, 2. De jaune. Est-ce que j'ai besoin de jaune quelque part? Non. Donc les deux jaunes, ils vont aller ici. Ensuite, après les jaunes, c'est des bleus. Et donc je fais 1, 2, 3, 4. Si je me trompe pas, je fais 4 bleus. Donc il y en a deux ici, plus le soldat, ça me permet de faire ça. Ouais, c'est ça, je me trompe pas. Donc le soldat il rentre chez lui. Et je peux encore produire deux bleus que je vais mettre ici. Je vais faire juste un truc. Non, je faisais pas 5. Okay. Donc deux bleus ici. Et je vais rajouter du coup mon cristallium. Ici, c'est un joker. Et du coup, je finis cette carte aussi. Je crois que vous ne voyez pas du tout en fait. Bon, c'est pas grave. Hop. Mais je suis un peu obligée de me rapprocher, sinon je vois rien du tout. Et donc là, je vais produire du bleu et je gagne 3 cristalliums. Tac. 3 cristalliums.
Donc ça, je vais pouvoir le rapprocher. Donc 1, 2, 3. Là, il y en a toujours 2. Je vais rajouter ça par là, juste pour vous montrer un peu mieux les choses. Ok. Donc là, il faudra que j'ai ça et ça pour produire. Ok. Bon. Je peux retourner. Est-ce que j'ai vu une carte tout à l'heure? Non. Donc je peux retourner l'autre. Et donc là, pendant ce troisième tour, je pourrais regarder deux cartes face cachée, si je veux. Ok. Bon, là, c'est pas mal, mais il faut que je produise toujours plus de bleu. Alors là, c'est... Ah, faire du bleu. Ah, et là, il y a du jaune. Et ça fait x2 pour le bleu, donc ça c'est très très bien. Et de ce côté, on a produire du bleu, oula, produire du bleu et produire du bleu. Donc c'est bien aussi, mais très clairement, je vais prendre ça. Donc une petite carte ici. Et qu'est-ce que j'ai de nouveau? Produire du violet ou multiplicateur de bleu. Produire du violet, on peut multiplier. Attends, il faut combien de bleu? Il faut combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi j'en produis 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes cristallium. Ah mais violet. Violet. Ah oui, mais oui, ça ferait du violet. Du coup, ça. Ça serait peut-être pas mal. Bon, on va prendre ça. Donc, je mets une deuxième carte ici. On m'en affiche de nouvelles. Donc, celle-ci, c'est une bleue qui multiplie les cartes violettes. Et là, c'est pour produire du bleu et du jaune. Alors, je vais juste regarder. Là, j'ai combien de cartes violettes? Je crois que j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Là, potentiellement, j'en aurai une. C'est pas forcément ce qui est plus... Alors, on va retourner les deux jetons pour garder les deux cartes. Donc, il y a ça. Et il y a ça. Donc, je vais prendre celle-là, je pense. Je vais prendre ces cartes-là. Donc, on met une carte ici. Et on prend les deux dernières. Qui nous proposent du bleu. Et de produire ça. Ah là, je sais pas. Ah mince. Non, c'est bon. Je l'ai toujours masqué. Bon, on va pas prendre de risque. On va prendre ça. Hop. Tac. Donc ça, on défausse. Hop. Ok. Donc, on recommence. Donc, j'avais vu des cartes au début qui m'intéressaient. Donc ça, oui, je vais le produire. Là, il faut que je défausse deux bleus. Ça, déjà, je peux prendre mes deux bleus que je vais mettre, du coup. Est-ce que je vais les mettre? Comme c'est le troisième tour, il faut pas que je me fasse trop avoir. Ah, je vais les mettre là. Non, je vais les mettre là. Ah oui, j'ai du jaune à mettre ici. J'avais pas vu. Bon, tant pis. C'est ma faute. Quelle carte est vraiment importante? Quelle carte est vraiment... Ah voilà, celle-là, elle est vraiment importante. J'aurais pu les mettre là d'ailleurs. C'est pas grave. Celle-là, elle est importante. Ça me fait 6. Est-ce que je peux défausser un... Ah non, j'en ai pas défaussé. Je réfléchis. Hein. Ah oui, il faut que je défausse des violets pour cette carte-là. Alors pour les violets, il n'y a que ici. Hein. Là, il en faudrait 4. Est-ce que j'ai 4 violets à défausser? Non, j'en ai que 2. J'en ai que 2. J'en ai que 2. Est-ce que je produis du violet? J'ai pas l'impression, mais je vois pas très bien. Un peu loin. Est-ce qu'il y a un truc pour produire du violet? Là. Donc c'est bon. Je vais défausser ces deux cartes pour avoir deux violets. Je vais mettre là.
Ensuite, il me reste tout ça. Carte jaune, est-ce que je produis beaucoup de cartes jaunes? Non, je produis pas beaucoup de cartes jaunes. Donc, ouais, mais c'est une carte bleue quand même. Ouais, mais là, attendez. Faut que je compte un petit peu. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Je fais très clairement pas 22. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc, faut que je défausse ces bleus, quoi. Je défausse ces bleus. Ah, sauf si je produis ça encore. Est-ce que je produis d'autres bleus après? Non. Donc 5. Ouais, j'ai mes cristallium. Bon, il y en a un qui doit aller là. Tac, tac, tac. Faudrait produire du bleu. Pourquoi produire du violet? Pourquoi produire du blanc? Ouais, vaut mieux produire ça. Et du coup, j'ai plus de violet à répartir. Ok, on va quand même le mettre. On va le mettre là. Et ces trucs-là. Ah là, c'est 3 bleus. Attendez, je produis combien de jaunes? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ou 6, je dirais. Et il m'en faudrait 3 ici. Ah oui, mais il y en a 4 ici. Ah oui, mais en 2 tours, c'est possible, je pense. Ouais, donc on va mettre ça aussi. Oh mon dieu, c'est pas possible. ouais. Je vais défausser du coup ce jaune et ces deux bleus. Je défausse un jaune et deux bleus. Du coup, ce jaune est très clairement prioritaire. Et avec deux bleus, est-ce que je peux finir quelque chose? Non. Oui, si, je pense que ce serait pas mal. Non. Bon, on va mettre ça là. Pour avoir des soldats. Est-ce que c'est vraiment utile des soldats? Parce que j'en ai vraiment besoin. Oui, là j'en ai besoin. Ok, on va faire ça. On va faire ça. C'est parti. Donc, combien je produis de blanc? Normalement, je crois que j'en fais 6. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas compté 6. 5. Bon, 4. Et 1, 5. Donc je gagne ça. Je gagne ça et je gagne un soldat. Parce que j'ai au moins 5. Donc je gagne un soldat que je vais mettre là. Est-ce que je finis ça? Bon, pour l'instant non. Pour l'instant non. Ensuite, les violets. Donc les violets, j'en fais 2. J'en fais 2. Je vais mettre ici. Je peux pas les mettre. Ah non, je vais les mettre là, pardon. Faut absolument que je les mette là. Je suis bête. Voilà, je les ai mis là. C'est parti. Violet, c'était 2. Les jaunes. Alors les jaunes, j'en ai beaucoup, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que j'en fais 6. Donc j'en fais 3 ici. Mince. Oui, non. Il y avait déjà un jaune. Donc j'en fais 2 ici. Et 4 ici. Ça fait 6. Ça fait 6. Ça c'est bien. Tac. Oh là, je commence à être un peu juste. Alors, 6. Donc je gagne un soldat. Mes deux soldats, d'ailleurs, je vais les mettre ici.
Je vais mettre ici ensuite. Après les jaunes, ce sont les bleus. Donc je fais un bleu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bleus. 8 bleus, 8 bleus. 8 bleus. Qu'est-ce qui me permet de produire des choses? L'huile bleue, je vais en utiliser 4 ici. Donc il me restera plus que 4 bleus. Je gagne un cristallium. Un cristallium. Donc 4, 5, 6, 7. Plus ça. Je produis ça. J'ai encore 2 cristalliums. Et il me reste encore un à placer que je vais mettre ici. Tac. Tac. Et lui, il me fait gagner 2 soldats. Tac. 1, 2. Donc. Est-ce que je mettrais pas un petit cristallium pour finir ça? Là, il faudra un soldat. On va essayer de finir des trucs quand même, là, je pense. On va essayer de finir peut-être. Ouais, on va utiliser un cristallium pour finir ça. Comme ça. Ça sera fait. Hop. On va réafficher les cartes correctement plus tard parce que là, c'est pas pratique. Et ça, et ça, et ça. Là, c'est que des points en plus. À faire le dernier tour. Donc, bon, ça je vais mettre ça comme ça et on reverra plus tard. Donc à gauche. Donc là c'est pour produire, multiplier les cartes jaunes. Hop. Et là c'est pour multiplier les cartes bleues et faire 6 points. Bon, on va prendre très clairement ça. On y va, là, qu'est-ce qu'on a? On a 2 petits points et produire du violet. Et là, on avait dit quoi? Multiplier carte jaune. Là, il n'y a rien qui me plaît. Donc... Est-ce que j'ai un truc pour pouvoir... J'ai oublié de réinitialiser, j'avais un droit à un jeton. Donc je le réinitialise pour voir ça. Donc ça, pour 3 violets, on gagne un cristallium. Bon, je vais prendre ça. Du coup. Donc, hop, ça ici. Qu'est-ce qu'on récupère là? Ça pour produire et ça pour mettre 6 points. Doré. Je vais prendre ça. Les dernières cartes ici. Et là, c'est quoi? C'est pour récupérer 2 violets. Ouais, bon, je vais prendre ça. Tac, ça, on défausse. Et c'est parti avec le dernier tour. Alors. Déjà, on va défausser les 2 violets ici. Ensuite, est-ce que je peux produire encore du bleu? Ça, ça me permet d'avoir des points en plus. Ça serait un violet et 3 jaunes. Je crois que je peux faire au moins 6 jaunes. Ça peut être pas mal. Est-ce que j'ai d'autres choses qui rapportent des points? 2 par carte jaune. Là, ça me demande beaucoup de jaunes. Je vais regarder combien je produis de jaunes parce que... Alors, ça produit pas de jaune. Un jaune. Un jaune. 3 jaunes. 4 jaunes. 5 jaunes. 6 jaunes. 7 jaunes. 8 jaunes. 9 jaunes. Je crois que je fais 9 jaunes. Donc, 3 et 3, 6. Donc je peux faire un truc à 3 jaunes encore, je pense.
deux ici, deux ici, trois ici. Là, ça serait deux bleus. Je produis beaucoup de blanc. Ouais, je vais faire ça en fait. Je vais faire carrément ça. Ouais, mais j'ai beaucoup de cartes jaunes en plus. Bon, très clairement, là, le blanc, hein, on va le dégager tout de suite. On va mettre un truc là. Ensuite, là, j'ai encore plein de cartes jaunes. J'ai une carte bleue là. Est-ce que. Ça fait 8, 9. Et si je défausse. Ouais, mais est-ce que j'aurai assez de bleu pour tout finir? Ça, je veux vraiment le finir. Ouais, j'ai beaucoup de bleu à faire là, quand même. Je produis combien de bleu? Voyons, faut compter. Je produis combien de bleu? Toc, toc. 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oh là là, 7. Alors, attendez. 2, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Ok. 12, 7 et 5, 12. Ouais, mais j'en ai besoin là. J'en ai besoin là. Pou, pou, pou. Bon, on va défausser le bleu qui n'y a ici, hein, c'est sûr. Du coup, il nous faut absolument du bleu. Donc, on va finir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ça. Ça, c'est moins prioritaire que le reste, je pense. Oui. Ok. Et après, avec tous ces jaunes, on a dit, du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces. Ah, ces trois violets là, ça me pourrait être pas mal. Alors, combien je produis de violets? Je produis pas beaucoup de violets, je crois. 2. J'en produis 2. Et il m'en faut 1. Est-ce qu'il y a un truc avec un violet? Un truc avec un violet. Non, il en faut au moins 2. Tu vas me dire, au pire des cas, si j'arrive pas à le finir, c'est pas bien grave. Ça serait du gâchis. Ouais, mais après, je peux faire des cristallins pour faire des trucs. Donc, on va. Ouais, mais ça fait deux cartes jaunes. J'ai combien de cartes jaunes? Une, deux, trois, quatre. 4 et c'est multiplicateur de combien? Ça ferait 8 points quand même. Bon, on va la placer. On va défausser ces 3 jaunes. On va voir ce que ça donne. Au pire, je la ferai pas. C'est pas ma priorité, on va dire. Donc 1. Du coup, dernier tour, on va compter combien je fais de blanc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, j'en fais 6, attendez, 7. J'en fais 7. Donc je gagne un seul là. Et les 7, du coup, il y en a 1, 2, 3 ici. Pour 1, 2 et 3. Et du coup, il y en a 4 qui viennent ici. Et du coup, avec 1 en plus ici, ça fait un cristallium supplémentaire. Tac. Voilà, je crois que j'avais plus besoin de blanc. Ouais, ça. Ensuite, après les blancs, on passe au violet. Combien je produis de violet, on a dit? 2.
J'en produis deux. Deux violets. Du coup, je vais. Je vais mettre mes deux violets. Un ici. Un ici. Ok. Deux violets. Ensuite, on passe au jaune. Combien je produis de jaune? 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Je produis 10 jaunes. 10. Donc il y en a. Ici il y en a 3 déjà. 10, 3 ici. Donc je finis ça. Donc il en reste plus que 7. 6, 5. 4, 3, et donc 2, 1 ici. 2, 1 ici. Je vais prendre ça pour finir celui-ci. Donc, ça c'est fini. Tac, tac. Donc, ça c'est fini. Ensuite, ça je crois que c'est fini aussi. Ah non, c'est pas fini, mais on va rajouter un cristallium. Comme ça, ça c'est fini. Ok. Et ensuite, après les jaunes, ce sont les bleus. C'est là où je vais être un petit peu serré. Je vais avoir combien de bleus? 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 bleus. 7 bleus, 7 bleus. Déjà j'en mets un ici. Donc ça fera plus que 6. Plus que 6. Ça c'est fini. Donc plus que 6 bleus. 6 bleus. 4 bleus ici. Donc ça fait plus que 2 bleus que je vais mettre ici, plus un cristallium là. Donc celle-ci, elle est terminée. Et donc là, il fallait 1, 2, 3, 4. J'ai que 3 cristalliums. Donc celle-ci, je peux pas la faire. Tant pis. On perd 9 points. Voilà. Et du coup, maintenant, il reste plus qu'à faire le décompte des points. Donc, moi, quand je fais le décompte des points, je fais 3 tas différents. Tac, tac. Tac, 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 tac. Tac. Et tac. Donc du coup là, on va pouvoir compter les points. Donc ça c'est des points en dur. Et ça c'est des points en fonction de la couleur des cartes. Donc on va prendre ça déjà pour compter de plus près. Je prends mon téléphone pour compter. Alors on va faire. Donc on voit la dernière fois j'ai fait 65. Je sais pas si on voit d'ailleurs. Non, on voit pas. J'ai fait 65 la dernière fois. Donc 1 plus 3, 4, 5, 6,
10, 17, 20, 26, 26 plus 15, donc 26 plus 15, donc on est déjà à 41. Et ensuite là, donc, hop, je vais juste ranger ces trucs-là. Donc déjà, on va avoir les multiplicateurs des cartes bleues. Donc là, j'ai x2, x2, x4. Donc ça fait déjà x8. x8. x10. x13. Donc ça fait 13 points par carte bleue. Donc j'en ai une là. Une. 2, 3, 4, 5, 8. Donc 8 fois 13. Donc 8 fois 13, 104. Plus 41. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et ensuite, ici. On a x2 par carte jaune. On en a 2, 3, 4. 4, donc ça fait 8 points, plus 8. Ça fait 153. Je sais pas si vous voyez, mais c'est extraordinaire. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Quand j'atteins 60 points, c'est exceptionnel. J'ai eu un tirage exceptionnel ou je sais pas ce qui s'est passé, mais 153, même à It's a Wonderful World, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Je pense que je n'ai pas triché, je pense que j'ai tout fait correctement. Ça paraît facile quand on joue comme ça et quand on voit le nombre de points, mais en fait c'est pas du tout, du tout, du tout facile. Comme j'ai dit, quand j'atteins 60, voilà, c'est plutôt commun. 60, 65, là 153. Non, je vais revérifier quand même. Je suis pas folle, hein. Ouais, mais en même temps, 13, 8 fois 13, oui, déjà ça me fait beaucoup de points, quoi. Donc, ouais, 153. 153 points. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer à It's a Wonderful Kingdom. Encore une fois, je vous ai pas trop expliqué l'histoire du jeu. Parce que, ben. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Moi, c'était plus vraiment pour jouer et pour essayer d'avoir des scores exceptionnels comme aujourd'hui. Si ce jeu vous a plu, bah, tant mieux. Je vous remercie pour votre attention et puis on se retrouve très très vite pour de nouveaux jeux de société. À bientôt!